tout petit, Kid Créole chantait sur les plages. Les poissons s'attroupaient au bord du rivage et les oiseaux s'arrêtaient de chanter pour l'entendre. Oh, Kid, un jour je serai ta coconut favorite. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu trafiques, asticot? Ben, je mets les bêtes que je trouve par terre dans ton déjeuner. Et quand j'en trouve pas, je balance les chaussettes de papa. Mais c'est dégoûtant! Pourquoi que tu fais ça, tête de hareng? Pour que tu t'occupes de moi. Je vais t'en donner, moi, de la friction, méduse. Non, pas dans l'oreille. Ce matin, je récupère mon petit bateau. Il est temps. Ça fait un mois qu'il est en réparation. Et un navire de cette race, ça mérite un soin particulier, Lucille. Tu viendras nous chercher à l'école avec, papa? Hier. Ah, t'as dû te tromper, ma sardine argentée. L'eau de vaisselle, c'est dans l'évier. Ici, c'est petit déjeuner. C'est tout ce qui reste de comestible dans la maison, Victor. C'est tout. Et ça, c'est la garniture. Facture du super coco, cantine de l'école, un pot loco. Maman, je sais ce qu'il me reste à faire. Aborder un riche galion avec plein de pièces d'or dedans. Ce sera un jeu d'enfant. Et ce soir, ma chérie, et ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Bah, Victor, tu n'oublies rien. Hein? Passe une bonne journée, mon cachalot iodé. Allez, les enfants, à la douche. Marins opulents, voilà Victor le pirate sur son bolide des mers. Et vous êtes sûr qu'il sera prêt, capitaine? Il a plutôt intérêt, sinon il va voir comment je m'appelle, ce garagiste de malheur. Victor McBernick, capitaine. Oui, Victor McBernick. Bah oui, vous vous appelez Victor McBernick. Oui, oui, c'est bien, ma chicoulie, couchée. Comment ça, pas prêt? Vous m'avez dit demain, il y a un mois. Ma, vous croyez que ça se répare en 15 jours, une épave pareille? Regardez-moi ça, non, ma. Regardez-moi ça. Votre galion est complètement foutu, mon pauvre ami. Et c'est moi qui grignote la côte. Faut tout nettoyer à la brosse à dents. Ici, c'est pareil. Complètement pourri. Et là, j'ai dû changer les traves et refaire tous les joints avec de la boule d'algues. Je voulais juste une révision des 200 000 milles. Et ma réputation, monsieur McBernick. Vous la jetez dans les toilettes. Il n'est pas question qu'Arturo Banzetti vous laisse partir sur un rafio aussi pourri. Je veux mon bateau tout de suite. Très bien. Alors, 5 800 qui nous font 7 000, plus la main d'œuvre 8 250, et plus la TVA 20% et demi, ça nous fait... Vous me devez 10 000 turtles. Ça ne va pas, McBernick? C'est douloureux, hein? Le bois est poreux. Mais le requin? Il y a des traces de doigts sur les voiles. Je vous ferai un prix. Qu'est-ce que tu fiches là? Descends, c'est mon bateau! Ah, plus pour longtemps, monsieur Banzetti m'a fait une offre. Quoi? J'ai besoin d'un nouveau local à poubelle. Et j'ai me douté que vous ne pourriez pas payer, alors. Oui, tu vas me le payer, Banzetti! Voilà, méchant client! Murène glaireuse! Poulette attaqué! Vous avez 2 jours pour payer, sinon c'est monsieur le requin qui partira avec les rafios. LR, il est prêt. On embarque. Non, pas tout à fait. Il voulait me refiler un bateau à moitié réparé. Il a su comment je m'appelais, hein. Victor McBernick, capitaine. Des fois, je me sens tellement seul. Et comment on fait pour aborder des galions en pédalo, hein? C'est pas le matériel qui compte, la sardine. C'est les hommes. Il faut y croire, c'est tout. Oh, le vaisseau transporteur des pensions des veuves pirates, et c'est pour nous, les gars. Un galion plein d'heures sans escorte? C'est louche, capitaine. Voyons, Sprat. Et qui oserait voler l'or des veuves pirates? Oumba! Oh,
Les mouches ont disparu. J'ai un pressentiment. Il y a une patrouille sur mon pédalo. On attaque! Quick, quick, quick! Bonne journée, Victor! Ça marche, le pédalage? Rêve pas, Irwin! T'auras jamais mon bateau! You, c'est moi. T'as récupéré l'os à moelle, pas? Ta journée de pillage s'est bien passée, mon chéri. On t'a attendu à l'école. Pourquoi t'es pas venu? Le bateau était pas prêt, voilà. Comment ça, pas prêt? Après, il est encore au garage. Bref, j'ai rien pu aborder. C'est dur d'écumer les mers en pédalo. J'ai les mollets tout durs. Touche, tu vas voir. Bon, puisque c'est comme ça, je ne vois qu'une solution. C'est moi qui irai travailler. Quoi? T'as parfaitement entendu, Victor. Je vais aller travailler en attendant que tu récupères le samoual. Jamais! C'est à l'homme de nourrir sa famille. Pas à toi. Toi, tu restes à la maison dans tes casseroles. Oh, le gros lourd! Je serai la honte de l'île! Ce sera une promotion! T'es déjà la honte de ta famille! Scampi! C'est pas gentil de dire ça! Tu crois que c'est facile pour ton père? Il se croit pirate intrépide et il se rend compte qu'il est bien meilleur en course de pédalo! Et d'abord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais rien faire! T'as pas un diplôme! J'ai autant de capacité que toi, monsieur le macho! Bravo, maman! Vas-y! Brise tes chaînes! Révolte-toi! Je ne resterai pas une minute de plus avec une femme qui veut humilier son mari. Il reviendra quand il aura faim. Non, sac à main. Papa, c'est pour toi. Je me suis dit que t'aurais faim. Ah, merci, mon petit bigorneau. La toine, t'es un bon fiston. Hé, hey, c'est pas une raison pour essayer tes doigts gras dans mes cheveux. Comment ça se passe à la maison? Et ta mère? Bah, maman, elle a l'air drôlement décidée à travailler. Et Scampi fait tout pour qu'elle y aille. Ouais. Allez, va dormir, moussaillon. Moi, il faut que je rase la fiche. Que je rase la fiche. Que je mette la rase. Bonne nuit, pa. Ça m'étonnerait que je trouve le sommeil. Lucille, une petite sardine. Lucille! Je vais ramper à ses pieds. Ça va lui plaire. Pardon, mon hippocampe des îles. Pardon. Oh. Ah. Où est votre mère? Lucille! Te fatigue pas. Elle est partie, monsieur le macho. Partie? Ouais, chercher du boulot pour nous nourrir. On manque de protéines. Mais moi aussi, je peux vous en ramener des protéines. Et des grosses même. Que je trouve un boulot tout de suite. Si tu dis que tu m'aimes, c'est que c'est pas fini. Je sais que tu es la même et que tu me trouves jolie. Et pour, pourquoi? Hé, oh les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Capitaine? Ben, on n'a pas eu de salaire depuis 6 mois, alors... Alors, on change de métier, et il y a de l'avenir dans la chanson dans rue. Mais vous êtes des pirates, non d'un pilon vermoulu, pas des sirènes de cabaret. Est-ce que je chante, moi? Ben, faut bien vivre, capitaine. Ah, si vos voix de macareux enroués vous rapportent la moindre pièce, je veux bien manger mon chapeau. J'ai des morts de d'espoir sur l'air. Les malheureux sans moi ils sont perdus, comme la moule sans son rocher, comme la soupe sans le poisson. Sur la face stupide du malheur. Ouais, du vrai. Mais c'est Kid Créole.
Attendez-vous. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je sais que pirater, moi. Doucement, pas les Et ne remets jamais les pieds ici. Et c'est un serveur distingué qu'on veut, pas un type qui se mouche dans les nappes. Mais quoi? Je suis enrhumé. Un serveur distingué, vous avez dit. Je suis votre homme. Vous avez déjà travaillé dans la restauration de luxe? Mon papa était saucier du roi. Ma mère vendait des huîtres par correspondance et je suis né tout près d'une baraque à frites. Mais on va essayer. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Bon, ça peut aller. Je donne les menus et je prends la commande. C'est ça. Et pas de fausses notes, hein? Et distinction, politesse et courtoisie. C'est ce qu'il y a à manger, ça? Non, ce sont les règles d'or de Lottery Club. Ah oui. Soyez à la hauteur, Monsieur Victor. Vous commencez par de très bons clients. La table 12. Ah! Irvine! Je pourrais pas faire la plonge plutôt. C'est vrai, je me sens pas en forme. Quand est-ce qu'il vient, serveur? Du calme, mes chéris, un peu de patience. Tout de même. Veuillez nous excuser pour cette attente, monsieur le requin. Victor va prendre votre commande. Vous en avez mis un temps, mon ami. Pardon, monsieur. Édouard n'est pas là? Vous le remplacez? Oui, madame Pénélope. Mm-hmm. Vous connaissez mon prénom? Eh bien quoi? Donnez-nous les menus que nous puissions choisir. Tu es au courant, mon chéri? Lucille, notre voisine, elle a un travail en ville, paraît-il. Ça ne m'empêchera pas de racheter son bateau à cet imbécile de McBurnie. Moi, j'ai pas de menu, j'en veux un. Mais ma chérie, tu ne sais pas lire. Oula, ta petite peste. C'est vrai, quoi. Tu ne sais pas lire. Victor? McBurnie, quoi. McBurnie. Jamais dans mon bateau, tu entends? Jamais. Clure de fond de cale. Non, mais je lui expliquais ce que c'était le homard à l'étouffer. J'y arriverai, je travaillerai et je nourrirai ma famille. Mes enfants seront gras. Psst. Psst. Hein? Psst. Ning, mais c'est fini, oui? Par ici! J'ai une affaire pour toi! Ça te dit de gagner beaucoup en te fatiguant pas trop? Bonjour les enfants, je m'appelle Momo la terreur des mers. Je pille, j'écrabouille, j'ampute et je ne coûte que 2 tortelles. 2 tortelles, c'est pas cher pour un pirate qui trucide et qui rigole. Hé, moussaillon, je suis sûr que ton argent te brûle les doigts. Elle est moche ta marionnette. Ah ouais? Eh ben, déguerpille, Ablette. Je m'appelle Momo la terreur des mers et je pille et j'écrabouille et j'ampute et je ne coûte que 2 tortelles. 2 tortelles, c'est pas cher pour un pirate qui trucide et qui rigole. Et là, stop. Bigorneau, Lucille, ce soir on mange gras. Papa a bien travaillé. J'arrive pas. T'as passé une bonne journée? Mais. Tu vois, mon chéri, je n'ai peut-être aucune capacité, mais je peux nourrir mes enfants, moi. Maman, maintenant
que nous sommes redevenus une famille de pirates de classe moyenne. Tu peux nous payer les places pour le spectacle des kids créoles? Ouais, il paraît qu'il y a aussi des combats à la hache. Non, votre place est à l'école, pas dans une taverne de forbans dégénérés. Oh, tes vieux jeux alors. Comment t'as fait ça? Eh bien, d'abord faire frire les oignons, ensuite asperger la viande d'huile de foie de mort. Ah, le festin! Avec quel argent? Ça, c'est mon petit secret, monsieur McBernick. Si tu veux manger, tu te débrouilles. Ne compte pas sur moi pour te servir. Je suis une femme active maintenant. On partage les tâches. C'est quand même toujours papa qui s'en vole plus aux tâches. Surtout avec la sauce de poulpe. J'ai déjà mangé. Et au restaurant, si tu veux savoir, madame la femme active. Tiens, sac à main. Papa, il t'a ramené du dessert. Je vais me coucher. Je suis ballonné. Bien dit, Krill. Des fois, la vie n'est qu'un long tentacule de souffrance qui étrangle les pirates malheureux. Et... Ah, sûr que c'est mystérieux. Où elle trouve tout cet argent? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Tiens, tiens, tiens. On va peut-être avoir la réponse. Hé hey, mine-toi. Sinon, on n'aura jamais de place. J'ai pas le temps, laissez-moi tranquille, je suis en pleine filature. Et vous travaillez dans le textile? C'est ça? Coton et filature, non? Filature! Textile! Coton! C'est une blague! Eh, mais dites-moi, voilà un beau molosse, hein? Non mais dites donc, je vous en prie. Vous savez que ces beaux muscles peuvent vous rapporter pas mal d'argent, hein? Non mais dites donc... Ah bon? Où et quand? À la taverne de Lady Lou. Et tout de suite. Vainqueur, la cagoule. Victor, qu'est-ce que tu fiches là? Eh ben, il paraît qu'il y a des tortes à se faire, alors... Ah, t'as bien fait, Victor. Tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. T'as un pseudonyme? C'est mieux pour la scène. Momo. Parfait. On va te préparer, Momo. C'est interdit au moins de 18 ans. À nous deux, on en a 19. Chère canaille, chère racaille, un peu de silence, s'il vous plaît. Ce soir, sous vos yeux ébahis, vous allez assister au plus féroce spectacle que vous ayez jamais vu. Un bras de fer terrible, le choc de deux titans. On veut Kid Créole! On veut de la bagarre! De la bagarre! Du calme, vous aurez tout ça que le spectacle commence! À ma gauche, 14 combats, 0 défaites. On l'appelle déjà le broyeur de coude. Personne ne connaît son visage. J'ai nommé Lulu la cagoule. Ouais. À ma droite, Momo, tout droit venu de la rue d'à côté, 0 combats. Et que des défaites. Maman, je pars devant, tu me suis? Moi, je reste. Je veux voir Kid Créole. Ah bon? Si tu restes, alors moi aussi. Messieurs, à vous! Ouais! Alors, la cagoule, on fait moins le fier, hein? Oh là 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 là, nette domination de Momo! Mais que se passe-t-il? Lulu la cagoule nous avait habitués à plus de combativité. Aurait-il trouvé son maître? Du petit doigt, si je voulais. Ça va, Victor? Ça me déconcentre. Lucille, c'est toi. Ah,
secret. Retourner des avant-bras dans le temple de la débauche. J'ai fait ça pour la famille, mon chéri. Pour toi. Pour le Samoil. Oh. Lucille, ce que tu as fait. Oh. Aucune femme pirate ne l'aurait fait. Oh. Lucille, je suis fière d'être ton mari. Et moi ta femme. Victor. Victor. Ouais, on n'est pas là pour ce genre de spectacle. Allez, hop, 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 là, on débarrasse le plancher. Place à la chanson de qualité. Ça fait du bien de retrouver son bateau. C'est comme un vieux copain qu'on a perdu de vue. C'est grâce à toi, maman, avec l'argent des combats. Moi, je l'ai laissé gagner. Tu veux une revanche? Quand tu veux. Ouais, ouais, allez, ouais, maman. Tu te souviens, Lucille, notre lune de miel. Oh non, Victor, ça c'est de la triche. Vas-y, maman. Cette petite île. Tu te souviens? Oh, si je me souviens. Ah, ah, ouais. J'ai gagné, ouais. Bigorneau.